Le prophète, exécuté par les membres de l'Ordre de la Trinité. Bon sang, j'étais presque. Forcer le passage pour entrer. Incroyable. On a réussi, papa. Il faut que je trouve un moyen de grimper. En faisant monter le niveau de l'eau, peut-être. Ils vont réussir à entrer. Maître, ce que vous dites est impossible. J'ai moi-même plongé ma lance dans le cœur du prophète. Je l'ai vu mourir. Ses fidèles auront sans doute vêtu un autre homme de ses habits ensanglantés pour perpétuer ses mensonges. Ils sont brisés, discrédités et exilés. Nous allons faire route vers le sud et passer le reste de son peuple au fil de l'épée. Mais le prophète est mort. Je vous le promets.
Maître, je chevauche à la tête d'une petite troupe de fidèles, armés et dévoués. Et j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons trouvé le tombeau du prophète. Des fous portant sa marque nous ont attaqués sur la route, mais nous les avons maîtrisés sans peine. Nous en avons laissé s'enfuir un, et nous l'avons suivi jusqu'à l'oasis. J'ignore si le prophète a survécu, ou si un autre porte ses habits, mais ça n'a pas d'importance. Tous ceux qui se trouvent ici vont mourir, et cet endroit deviendra réellement un tombeau. Faut faire monter le niveau de l'eau. Maître, les derniers fidèles du prophète se sont retranchés dans son tombeau. Nous avons monté notre camp à l'entrée et nous nous préparons à attaquer leur barricade. J'ai aperçu l'homme qui prétend être le prophète avant qu'il ne scelle les portes. Et je dois admettre que la ressemblance est frappante. Mais c'est impossible. Peu importe. Ils seront tous morts avant l'aube. L'Ordre de la Trinité va mettre un terme à cette hérésie. Ce mur est friable. Je devrais pouvoir le transpercer. Là, il est en bas.
Posez les explosifs. L'artefact. À l'intérieur, si Dieu le veut. Ouvrez-le. Doucement. Ça pourrait être extrêmement dangereux. Vous êtes qui, vous ? Vous êtes une femme intelligente. Je pense que vous connaissez déjà la réponse. Les Trinitaires. Allez, donnez-moi l'artefact. Je ne sais pas de quel artefact vous parlez. Ne me prenez pas pour un idiot. C'est vous qui nous avez conduits ici. Écoutez, le sarcophage était vide à mon arrivée. Il n'y avait pas de corps et absolument aucun artefact. Jonah ! Lara ! J'ai tellement de choses à te raconter. T'as trouvé le tombeau du prophète ? Oui, mais j'ai été suivie. Quoi ? Mais par qui ? Ils se font appeler les Trinitaires. Ils ont essayé de nous tuer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu commences à me faire peur. Le tombeau était vide, mais je crois qu'ils étaient venus pour la source divine. L'artefact après lequel courait ton père ? C'est pas tout. Il y avait ce symbole dans le tombeau. Je me suis torturé l'esprit pour retrouver où je l'avais déjà vu. Et d'un coup, ça m'est revenu. Je l'ai vu ici, dans un des livres de mon père. C'est là, écoute. La cité perdue de Kitej, située en Sibérie. La cité aurait disparu dans le courant du XIIe siècle. Selon la légende, lorsque la horde mongole est venue envahir Kitej, elle a été engloutie sous un lac. Quel est le rapport avec l'artefact du prophète ? C'est le même symbole. Lara, t'es... Si la source divine est cachée quelque part dans les ruines de Kitej, à attendre que quelqu'un la découvre, alors il faut que j'y aille. En Sibérie ? Tu te fiches de moi ? Réfléchis un peu. Si cet artefact est la clé du secret de l'immortalité, tu sais, ça remettrait tout en question. La maladie, la souffrance, la mort, t'imagines ? Non mais est-ce que tu t'entends parler ? Jonah,
On a traversé tellement de choses ensemble. Tu sais qu'on est entouré de mystères. Tu veux pas savoir? Mais je m'en fous pas mal de savoir. J'ai perdu presque tous mes amis. Je veux pas te perdre toi aussi. Mon père n'avait pas fait le lien avec Kitej. Tu sais qu'il a tout abandonné pour ça. Toi y compris. Arrête de t'en vouloir pour ce qui s'est passé. Il est l'unique responsable. Je vais pas laisser tomber. Pas maintenant, c'est tout ce qui me reste. N'importe quoi! Si t'arrêtais de t'agiter 5 minutes, tu t'en rendrais peut-être compte. Putain, Lara! Qu'est-ce qu'on va faire? C'est moi qui leur ai montré la route. Si la source divine existe, il faut qu'on la trouve avant eux. Alors en route pour la Sibérie.